soir, c'est Nicolas Bergeois du collectif Nous Perpignan. Il est 1h45 cette nuit du samedi 2 février 2019. Il y a 2 mois, nous avons alerté Jean-Marc Pujol et la municipalité de Perpignan sur la nécessité à Perpignan de faire appliquer la loi issue du Grenelle de l'environnement qui prévoit que les enseignes lumineuses, les entrepôts, les hangars et les boutiques doivent être en lumière entre 1h et 6h du matin. Or, 2 mois plus tard, comme vous le voyez derrière moi, rien n'a été fait. Tous les points que nous avons contrôlés au nord et au sud de Perpignan restent illuminés la nuit comme ils l'étaient auparavant. Jean-Marc Pujol ne nous a donc pas écoutés. Il devait être trop occupé jusqu'à présent à faire des vœux multitudinaires dans toute la ville. Mais nous, le collectif Tout Perpignan, nous souhaitons lui rappeler donc qu'il faut faire respecter la loi à Perpignan, qu'il faut arrêter la pollution lumineuse la nuit à Perpignan. Et en plus, nous souhaitons attirer l'attention des Perpignanais et de Jean-Marc Pujol sur l'état anarchique en général de l'éclairage public à Perpignan. Trop nombreuses sont les avenues qui sont éclairées la nuit de manière abondante alors que personne n'y circule et personne n'y passe. Nous rappelons qu'en moyenne en France, la pollution lumineuse coûte, l'éclairage lumineux coûte 9 euros par an et par personne aux Français. Et donc à Perpignan, cette somme correspondrait à 1 million d'euros dépensés. Or, comme vous le voyez derrière moi, elle est dépensée souvent pour rien, alors qu'à l'inverse, un certain nombre d'autres espaces dans la ville de Perpignan sont mal éclairés. Il est donc temps à la fois pour la municipalité de Perpignan de faire respecter la loi sur la pollution lumineuse. Il est temps pour la municipalité de Perpignan de s'engager dans une politique d'éclairage public qui soit une politique rationnelle et intelligente. Et c'est pourquoi nous offrirons, le collectif Nous Perpignan, à Jean-Marc Pujol et à sa municipalité, cet interrupteur pour que Jean-Marc Pujol puisse éteindre les lumières et épargner nos finances.